Salut à tous et bienvenue pour la suite de l'aventure sur Bismarck 21. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on doit dompter le dragon. Rien que ça. Alors, on n'est pas en Skyrim, je vous rassure. On va juste poser une pub sur le bus, notre première, qui va nous permettre de gagner encore plus d'argent. Souvenez-vous, dans le 18, il y avait déjà cet aspect-là qui permettait de gagner beaucoup d'argent. Plus on a de bus, plus on pose de pub, plus ça rapporte. Forcément. Allez, on rentre du coup dans le magasin de peinture, on va la poser et ensuite on devra faire, je pense, on devra refaire le trajet numéro 4 avec cette nouveauté. Allez, le frein à main, vue interne, voilà, bim, le frein à main. Et en tout cas, merci à tous encore une fois pour les retours sur la deuxième vidéo. Publicité, d'accord, c'est la première fois qu'on va en poser une. Par contre, je pense qu'il faut retirer mon skin, sinon ça va faire un peu bizarre. Donc mon look, je vais retirer le skin Galax. Oh mais attends, il y a d'autres skins là, c'est joli ça. Bah ouais, c'est sympa. Il est là mon skin. Donc est-ce que je peux le retirer simplement? Non. Ah, on peut le mettre à blanc. Voilà, je préfère. Ensuite, je vais dans pub. Et là, je place celui-ci. Super, c'est juste un petit panneau apparemment ici. On applique les modifs. Donc regardez, revenu de la journée, 1000$. Coût à l'heure, 2000. D'accord. On applique. C'est d'accord. Voilà. Fais voir un petit peu ce que ça donne. C'est moche. C'est vraiment moche. Alors, avec mon skin, ça aurait été encore pire, parce que ça aurait fait du rouge, voilà, une pancarte rouge sur du violet, enfin bon. Ça aurait été vraiment horrible, mais même comme ça, c'est pas ouf. Allez, obtenir un jour de paix maintenant en conduisant un bus avec Chinatown sur un itinéraire entre Oakwood, donc ouais, le trajet numéro 4 qu'on avait créé la dernière fois. Allez, on va retirer bien sûr le frein à main. Et alors, maintenant, pour info, j'ai activé donc le curseur de la souris sur la capture, comme ça, quand on fera ensemble un itinéraire, quand on le créera, eh bien, vous verrez mon curseur, parce que certains m'ont dit « Galax, c'est un peu compliqué, on voit pas exactement ce que tu fais. » Ce sera plus clean. Pour ceux qui avaient suivi la série sur le 18, combien ça coûtait quand on renversait un piéton? Parce que là, c'est 20 000$. J'ai mal au cul, franchement. J'étais à 170K, on n'est plus qu'à 150 parce que voilà, j'ai écrasé un piéton, parce que je suis rentré dans un poteau, ça coûte très très cher. Donc faites attention à ce que vous faites, vous avez intérêt de filer droit, de bien conduire. Donc, on va commencer le trajet numéro 4, on va le refaire, il me semble qu'on l'avait déjà fait. Mais pas avec ce bus et sa pub. Donc, je vais dans le menu itinéraire et on fait conduire maintenant avec bien sûr le man. J'accepte. Ok, 26 secondes. Ah ouais, il n'y a pas le temps quoi. On se dépêche, on se met au volant. Vue première personne bien sûr, c'est toujours mieux, plus immersif. Et on va commencer par West Oakwood Bay. On a quelques clients. Allez, le petit clignotant. Essayons de faire les choses bien. Histoire que ça rapporte un max de pognon. Vu que j'en ai perdu beaucoup. De quoi? Attends, j'ai déjà obtenu un jour de paix? Ah oui, vu que j'ai d'augmenter en niveau. D'accord. Trish et moi avons parlé de plus steps. Nous avons décidé d'une connexion de Oakwood à West Oakwood. West Oakwood est une bonne opportunité pour développer votre transit compagnie plus loin. And it's also got an amazing nightlife. There's so much culture waiting to be discovered there, day and night. That's a great idea. How about we include more stops on the route from St. Anthony to West Oakwood? That way we can also stop on the way back from Oakwood. It's like people were just waiting for an opportunity to see West Oakwood. D'accord, donc en fait j'ai déjà fini avec cette partie-là. C'est fou ça. Ok. Bah écoutez, je vais laisser faire un employé, je pense. J'ai fait le café. Mais par contre, j'ai rapporté combien? Parce que j'étais à 149-150. Ah ouais, d'accord. Mais c'est énorme. Ah, ça se trouve, là, j'ai assez pour acheter un bus. Bon, on verra ça la prochaine fois. Alors, objectif, modifier itinéraire numéro 3. Attends, je m'arrête ici pour commencer. Je vais essayer de bien me placer, si possible. Histoire d'avoir de bonnes notes, évidemment. Voilà. Right on time. Hop, nickel. Par contre, ce que je fais maintenant, bim, je laisse faire un employé, voilà. À toi de jouer. C'est pour moi, c'est cadeau. Voilà, il est bien placé, Je te refile le bébé. Donc, modifier le trajet numéro 3 pour qu'il passe par Oakwood. Et que l'heure de pointe de l'itinéraire soit durant la nuit. D'accord, effectuer un itinéraire pendant la nuit. Encore? Ok, il faut relier les deux quartiers. La belle vie, très bien. Oh, la belle vie. Sélectionner l'itinéraire, yes. Le troisième. On nous explique, modification, heure de pointe, d'accord, donc demande, normale et heure de pointe. Ok, on ne sait pas tout encore, Donc là, je suppose journée, là le soir, vu le logo et la couleur, et là la lune, ça doit être la nuit, Oh, mais qu'il est fort ce Galax. À chaque arrêt,
Ah non, à chaque arrêt, d'accord, est associée une heure de pointe. Pour créer un itinéraire rentable de nuit, optez pour une majorité d'arrêts dont l'heure de pointe est nocturne. Donc j'ai supprimé les deux arrêts qui étaient donc de journée. Et là maintenant, il faut prendre deux arrêts qui sont ici. Très bien. Donc par exemple, celui-là et celui-là. On fait comme ça ? Allez. Ça peut être sympa. Voilà. Parfait. Donc 4 de nuit. On applique. Ne génère aucune demande. Veuillez ajouter au moins un arrêt dans un sens et un arrêt dans l'autre. Assignation automatique des bus. Ouais. Effectuer un itinéraire pendant la nuit. Bon, on va le faire. Donc, le numéro 3. Moins 3800 par jour. Oh, ça fait mal, hein. Conduire maintenant avec, avec le bus, avec le man, hein, ce serait bien. Par contre, du coup, il faudrait attribuer un autre, non? Ou alors on reprend le C-train, qu'est-ce que vous en pensez? Faudrait peut-être mettre des pubs hein, sur les bus. Hein. Pour le trajet numéro 3, on passe bien sûr sur le C-train. Voilà, comme ça on change de bus, hein, c'est cool. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est mettre les pubs. Donc, publicité. Alors, on n'est pas obligé d'aller pour info hein, au magasin de peinture. Hein. On peut la mettre directement. Je vais faire donc pour ce bus. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Hein. Non, c'est verrouillé. Donc très bien, il y a un coût à l'heure, mais ça rapporte effectivement chaque journée tant d'argent, donc 1000$ en l'occurrence. Maintenant, ce que je vais faire, garage, on va passer, changer le bus, passe sur le Mercedes, et on va faire exactement la même chose, personnaliser la pub, clac, comme ça au moins ça rapportera un maximum. Bon, c'est vrai que par contre, les deux, pas terrible quoi. Attends, est-ce que je l'avais appliqué sur l'autre? J'ai peut-être une connerie. Tu l'as appliqué ou pas sur le C-Train? Je suis même pas sûr. Je l'avais pas appliqué, il me semblait. Terrible. Donc publicité, bim. Faut penser à les appliquer. Le mec, il pense qu'il pose la pub, sauf qu'il a pas payé. Donc il y a un petit blème. Hein. Très très bien. Eh bien écoutez, maintenant on est re sur le C-Train. On va le conduire et on va se faire la ligne de nuit, tout simplement. En fait, il y a une grosse différence dans ce jeu par rapport au 18. C'est que ça ne s'arrête jamais. Ah, un ticket pour monsieur. Alors, plein tarif. Un trajet, imprimé, 7,80. Voici la monnaie pour vous, mon bon monsieur. Passez une bonne soirée, un bon trajet. Très bien. Et donc, ouais, la différence par rapport au 18, c'est que je suis un peu perdu dans le sens où je sais pas quand est-ce que je commence un trajet et tout. Alors que dans le 18, t'avais le début et la fin. Alors que là, l'IA prend direct le relais, quoi. C'est constant. Mais quelque part, bon, c'est peut-être un peu plus réaliste, hein, parce que les bus comme ça de ville... Bah c'est ça quoi, ça tourne, à fond. Allez, 2 minutes pour aller jusqu'au prochain arrêt, il doit être assez éloigné je pense. Hein. Le clignotant qui va bien, remarquez que j'ai vu la musique, hein, histoire d'avoir un peu d'ambiance. Ouh, quelques nids de poules, mon dieu. Pour l'instant on n'a pas eu d'amende, tiens, par rapport à ça. Pourtant j'ai look dans les options et on peut effectivement perdre de l'argent à cause de ces foutus nids de poules, mais pour l'instant c'est pas le cas. Faut peut-être vraiment rouler vite, avec les roues pile-poil dessus, je sais pas. Faut que j'active le limiteur de vitesse. Je sais même pas s'il y était pas déjà. Prochain arrêt, on a vachement de l'avance. Attendez une 43. Bah ouais, tranquille. Bonsoir, et on est bientôt niveau 8. Hein. Alors là, l'objectif par contre, c'est pas par rapport à un jour de paix. Hein. Faut juste faire un itinéraire complet. Bah voilà. It would be best to first establish a solid base before further expansion. Oh, right. Well then, we should use our lucky streak to build a solid base. Ah, le passager endormi est encore dans le bus. J'ai grillé un feu rouge. Mais mon dieu, c'est l'hécatombe! Attends un petit peu! J'arrive! Mais qu'est-ce que vous dormez dans mon bus aussi? C'est vous, monsieur? Ah oui, il est pas sorti! C'est honteux. N'importe quoi. Estime-toi heureux hein, que je te fasse sortir. Hein. J'aurais pu te faire des choses. Bon, allez. Non, je suis pas un fou non plus. Hein. Alors, connecter 2 itinéraires à Transit Terminal. Faire passer à 2 le niveau de West Oakwood, ok. Et le niveau de Highlander Park. Très bien. Ouais, pour faire passer justement les deux trajets. Aucune ligne active entre 0 et 4h du matin. Entre minuit donc à 4h du matin. Très bien. Priorité à la sécurité. Et bah allez, on va faire ça. Donc, on va pouvoir augmenter comme ça 2 arrêts, donc est-ce qu'on a les infos? Non, le jeu nous indique pas de quel arrêt il s'agit. Par contre, on a un petit point d'exclamation. C'est marrant ça. Comment ça se fait? Attends, Oakwood, Saint-Anthony. Requête, conduire 25 passagers au quartier Saint-Anthony. Récompense autocollant pot. Ah d'accord, on nous indique qu'on peut gagner quelque chose. Ah mais d'accord, regardez, on peut cliquer sur
sur le quartier justement pour avoir les infos au niveau des arrêts. Et en fait, il y a un niveau global par quartier. Ok, donc en fait, c'est le quartier qu'il faut augmenter. Très bien, donc il faut, je pense, que tous les arrêts soient au niveau 2. Pour que lui soit au niveau supérieur. À mon avis, hein. Donc celui-là, par exemple, je peux l'augmenter. Niveau 2. Ok. Celui-là, non. Donc il va falloir rouler, effectivement. Celui-là, je peux. Très bien. Mais il va me manquer des niveaux concernant les arrêts pour augmenter sûrement le niveau du quartier. Ouais, je pense qu'il faut tous qu'ils soient au niveau 2, à mon avis. Et alors pour ce qui est de Highlander Park, c'est pareil, hein. Là, pour l'instant, on ne risque pas d'augmenter. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de bus. Parce que là, regardez. Ouais, tous les trajets ne sont pas nickels au niveau de la demande, hein. Ah, il manque bien de bus, histoire de faire les choses comme il faut, hein. Donc, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on va essayer de se faire les trajets numéro 4, un petit peu tous, en fait, hein. Le premier, attends, c'est le rouge. Non, c'est le orange, hein. Le premier. Et il passe, il me semble, par... non, donc celui qui est vraiment le plus intéressant, je pense que c'est le rose et le deuxième, du coup. Et la route 2. Ok. Ben, vous savez quoi? On va se faire le 4 au complet, si possible. On va essayer. Avec le Mercedes. Allez, histoire de changer un petit peu. Alors déjà, ce qui serait bien, c'est de connecter deux de nos trajets à transit terminal, du coup. Ce qu'on va faire maintenant, c'est juste un arrêt en plus, hein. Donc... admettons le troisième. On va le modifier. Ah non, parce que ça reste dans ce quartier, donc ça vaut pas le coup. Annule. On va aller sur le quatrième plutôt. Sur le quatrième qui passe pas loin, effectivement, qui fait le tour. Je vais modifier et je vais rajouter celui-ci. Ça peut le faire? Moi, je dis que ça peut le faire. Voilà, en plus, ça rallonge juste. Ok. Transit terminal. Sauvegarder. Appliquer. Ok. Donc un trajet qui est relié, donc le dernier était ici à la base. Donc là il va juste passer par là, faire le tour. Attends, j'espère que je me gourre pas. J'espère que je me gourre pas, comment ça fait? Fais voir. Attends. Ouais, c'est bien celui-là. Yes. Et voilà, tu termines ici. Après tu reprends à West Oakwood. Très bien. Non, c'est cool. Vraiment c'est cool. Et ensuite, j'ai préféré vérifier. Et ensuite le deuxième sur le troisième. Fais voir, le troisième, ça correspond à quoi? Non, on avait dit non pour le troisième. La route rouge, par contre, le 2, il passe pas loin. Là, ça vaudrait le coup. Fais voir. Le premier, il est là. Ah ouais, par contre, faudrait le mettre en premier, alors. Ah, j'aimerais bien le mettre en premier arrêt, mais je sais pas comment. Bon, tant pis. Laisse-le comme ça, c'est pas grave pour l'instant. Mais je changerai ensuite quand j'aurai compris. J'applique. Voilà, ok. On a connecté les deux itinéraires à transit terminal. Très bien, même si c'est pas parfaitement géré, hein. Ensuite, faire passer à 2 le niveau de West Oakwood. Ah, là, on n'y est pas encore, hein. On a augmenté donc le niveau de quelques arrêts. Conduire sur le trajet une fois avec le bus. Récompense couleur orange. Juste pour avoir une couleur, tu me fais faire un trajet. Allez, maintenant, on se fait le trajet numéro 4 au complet, si possible. Voilà, histoire de faire augmenter encore une fois le niveau des arrêts, et j'espère qu'on aura l'occasion de faire augmenter le niveau global du quartier. Allons-y, il y a deux jours, hein, ce coup-ci, histoire de changer, on n'est plus obligé d'être de nuit, ça fait du bien, parce que... Alors j'aime bien, il y a une bonne ambiance, hein, de nuit, mais bon, en journée, on apprécie comme ça les paysages. La radio, par contre, ce serait mieux... Attendez, je freine, parce qu'il faut tout faire en même temps, ce jeu, c'est compliqué, hein. Eh ben, j'ai bien fait, regarde, parce que la voiture, en plus, s'arrêtait. Terrible! Terriblement risqué d'avoir comme ça la tête en l'air. Allez, 1 minute 10, Florida Avenue, prochain arrêt. Alors, c'est vraiment pour l'instant des trajets qui sont assez courts, quoique là, avec l'arrêt qu'on a rajouté. Attends, est-ce que je l'ai rajouté sur le quatrième? Oui, oui, il me semble que je l'ai rajouté sur le quatrième. Donc là, on a le nouvel arrêt. Y'a personne? Mais non! Je suis seul au monde! Dis-moi, fallait bien que je m'arrête ici pourtant, non? Ouais, c'est étrange. C'est assez étrange, mais comme quoi ça arrive, hein, qu'il n'y ait personne. Ah, tant mieux, ça me simplifie le boulot, hein. Ah non, ça se trouve, en fait, je suis pas sûr que je devais m'arrêter ici. Par contre, quel axe, c'est pas réglementaire. Normalement, quand un piéton commence à passer sur le passage, tu dois laisser le piéton avancer, hein, jusqu'au bout. C'est pas sérieux.
position parfaite à l'arrêt, nickel. Je suis un monstre de précision, la rampe. J'ai vu. Déploiement de la rampe. Venez monsieur. Donc tu vas toujours rester un peu plus à gauche qu'à droite. Parce que si on se rapproche trop du trottoir, la rampe on ne peut pas la déployer et c'est toujours très embêtant. Allons-y. Agenouillement. Mais d'abord, fermez les portes, bien sûr. J'oublie. Hop là. Allez, taxi. On se calme. C'est moi le prums. First, comme disent les premiers qui reçoivent la notif d'une vidéo. First. Ça m'a toujours fait rire, ça. Rire ou pleurer, hein, c'est au choix. Parce que c'est vrai que c'est un peu désolant au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on s'en fout que vous soyez le premier? Enfin, c'est bien, voilà, ça montre votre intérêt. Pourquoi je fais les écarts de direction comme ça? Ça montre notre intérêt pour la chaîne, mais enfin. Vous allez pas recevoir une médaille non plus. Ok. Moi, je me dirai hein, quand je devrais déployer la rampe de nouveau. Madame bonjour, plein tarif. Un trajet... Oh, elle veut 3 tickets. Je crois que c'est la première fois que... Quoi que non. Il y a peut-être eu un ou deux qui m'ont déjà demandé autant de tickets. Disons que c'est pas souvent, quoi. Merci madame, bonne journée. Bienvenue à bord de mon bus. Est-ce qu'on aura l'occasion de passer niveau 8 aujourd'hui? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain par contre, c'est que maintenant on a de quoi. Alors pas se payer n'importe quel bus. Parce qu'en plus tous ne sont pas encore déverrouillés. Mais on aura de quoi s'en payer un nouveau pour le prochain épisode. Ok, un passager écoute de la musique. Hein. Bah, génial. Sagrippant. Je vais me lever, tu vas voir, tu vas prendre cher. T'es où? Madame, je vous contrôle. Il est là. En plus, c'est un casque Razor, c'est nul. Ok. Rampe de volant. Par contre, faut que je déploie la rampe, hein, je pense, parce que je l'ai vue, elle attendait, j'ai l'impression. Non. Déployer la rampe. Ouais, voilà, nickel. J'ai eu raison. On est tranquille. Clignotons à gauche. Et on y va. C'est bon, pas trop en retard. Par contre, c'est marrant, j'entends la musique dans mon oreille gauche. C'est pas en mode stéréo. Terrible. Ah, je pense qu'on est loin encore hein, de pouvoir passer le niveau des deux autres quartiers au-dessus, mais bon. Au fur et à mesure, avec un peu d'huile de coude, hein, ça va le faire. Monsieur est un peu trop lent, je me permets de passer. Hein. Alors, on m'a beaucoup dit, parce que je disais dans le premier épisode, que ça allait très très vite. Mais ça, en fait, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude du jeu. Et certains m'ont dit, si tu voyais mon chauffeur de bus, hein. Eh oh, salut! Ouais, je sais que les chauffeurs de bus, ils ont tendance à aller vite. Hein. Et surtout, en fait, tout ce qui est Stas, Star, moi, je sais parce que j'étais à Rouen. Et puis à Saint-Étienne aussi, j'ai déjà vu, hein, sincèrement, les chauffeurs, il y en a... ça avance, hein. Ça avance. Mais en même temps, ils ont des horaires tellement, mais alors tellement... tellement speed, quoi. Faut avancer, quoi. Arrêt de bus prêt à être amélioré. Cool! Je sais pas s'il est concerné, hein, mais de toute façon, peu importe l'arrêt, on va essayer d'en améliorer un maximum. Très bien. Hop. Je regarde dans mon petit rétroviseur gauche. Allons-y. Bien regarder avant de traverser. Faites pas comme moi. Je regarde à droite, mais faut aussi regarder à gauche. Un passager doit descendre. Eh hey, mais monsieur, tu m'as pris pour qui? Bon. D'accord. Je suis sympa, allez. Oust. Mais de rien. Ça fera 50 balles. Attendez, et où? Faut savoir négocier, hein. Prochain arrêt juste devant. South Amador. South Amador Street. Et par contre, tu vois le petit logo là-haut, c'est quand il demande à s'arrêter au prochain. Ça, j'ai bien compris. Bon, en même temps, on s'arrête tout le temps. Si on s'arrête pas, on se prend des malus. Et je pense, ouais, qu'on aura l'occasion d'arriver niveau 8, effectivement. Pas de problème, comme ça, au moins, ça fera un jour de paix supplémentaire. Et on pourra se payer un sacré bus la prochaine fois. Allez. On y retourne. Il y a combien d'arrêts du coup là? 7 en tout? Ouais, on arrive ensuite au dernier qu'on vient de paramétrer juste avant. À savoir Transit Terminal. Qui doit être quand même un petit peu plus loin. Hein. 3,44 pour y arriver. Effectivement.
Ouh, j'ai pas vu le piéton. Où est-il? Et on passe juste à côté à regarder du magasin de peinture, de déco et autres publicités. En tout cas, moi j'aime bien hein, la carte. Ça me fait penser un petit peu au... Bah, toutes ces cartes américaines habituelles. Après, c'est vrai, est-ce que c'est vraiment original du coup? Parce qu'on a l'habitude dans les GTA, même dans SnowRunner, tu vois, d'avoir des cartes américaines. Et c'est vrai que ces derniers temps, ça a tendance à être un petit peu toujours la même chose. Mais cela dit, je trouve ça toujours aussi stylé, moi. Et puis bon, on peut pas reprocher ça au 18. Parce qu'on avait une carte européenne. Donc c'est normal. Hein. Normalement, ils peuvent pas inventer des pays non plus. Ils vont pas aller nous mettre en Alaska, tu vois, avec les ours polaires, hein. On va pas déconner. Donc, même si ce serait intéressant pour un jeu genre Euro Truck Simulator de l'extrême, quoi. Ça existe d'ailleurs. C'est ici? Eh oui, d'accord. J'étais pas sûr, hein, c'est la première fois qu'on arrive. Très très bien, itinéraire terminé. Ah, quelques malus, mais ça rapporte quand même beaucoup, hein. Très très bien. Ah ouais, ça rapporte énormément, 32 000, génial, le jour de paix. Enfin, c'est pas que ce qu'on a fait là, c'est aussi l'ensemble de la flotte qui a rapporté tant d'argent sur tous les autres trajets. Ça nous fait donc 265 303,22 dollars, mais oui, et on est passé niveau 9. Eh bien écoutez les amis, je pense que ce qu'on va faire, avant de partir, déjà je vais laisser gérer quelqu'un d'autre, parce qu'il faut que ça continue, hein, il faut que ça rapporte un max. Bim. Laissez-moi sortir. Libérez-moi de cette prison, s'il vous plaît. Avec ma belle barbe. Et mon chapeau. Et ma casquette. Mais là, ce qu'on va faire avant d'aller plus loin, c'est... Est-ce qu'on peut améliorer, justement, maintenant, les arrêts ici, par exemple. Ouais. Niveau 2. Voilà. Tu vois, donc, si, ça augmente bien. Ça augmente bien. Là, pareil. Niveau 2. Là, par contre, je pense qu'on n'y est pas beaucoup passé. Ouais, voilà. Ça m'étonne pas. Fais voir de ce côté, est-ce qu'on peut encore booster? Donc là, on pourrait aller jusqu'au niveau 4. On est beaucoup passé ici. Hein. Là, on est déjà niveau 2. Celui-là, pourtant, on y passe. Hein. Il est reconnecté 0 sur 2. Comment ça? Ah ouais, mais du coup, il est pas connecté. Parce qu'en fait, moi, je me fiais, tu vois, à la ligne. Je me disais, c'est bon. Mais non, s'ils sont pas connectés, non, c'est pas bon. Pas du tout. Donc ouais, on va pas avoir de choix. Hein. Bon, là également, il y a un nouveau truc, ok, on a compris. Bref, écoutez, on verra ça plus en détail la prochaine fois. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, cette petite vidéo sur Bus Simulator 21. J'avoue que c'était assez laborieux aujourd'hui, encore pire hein, que dans les deux premiers épisodes, mais en tout cas, on avance. Sur ce, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure à Bus Simu 21. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est toujours dans une phase de découverte, s'habituer aux menus, aux différentes options, mais ça vient petit à petit à tatillon, disons. La prochaine fois, je vous l'assure, je vous le signe, on achètera un nouveau bus que vous n'avez jamais vu, que ce soit dans le 18 ou dans ce Bus Simu 21. Merci à tous, portez-vous bien, n'oubliez pas le pouce bleu qui soutient, qui fait toujours très plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite. A très bientôt, ciao ciao.